Ah, c'est la dernière fois que vous me voyez à cet endroit. Peut-être pas la dernière fois de ma vie, mais la dernière fois avant une longue période. Parce que là, je pars. Donc je pars à Prague avec ma meilleure pote. Et donc pour l'instant, je vais aller chez elle, je vais la rejoindre pour vous expliquer le programme. Ce soir, on sort. Attends, mais c'est n'importe quoi. Donc on sort en soirée médecine parce qu'elle est en TOPACES et il y a grosse soirée. Donc on sort sur Rouen. Après, on espère trouver un Uber pour rentrer chez nous. Ensuite, on part à 6h en bus. Donc, vous comprenez la logique de notre truc. Ça veut dire que si on prend une douche, on ne dort pas. On ne dort pas. Ah. Mais néanmoins, au moins, on dormira bien le premier soir à Prague. Bref. Mais bon, vous voulez pas avoir à vous faire un choix. J'espère que notre avion va partir. S'il part pas, je ne sais pas. On part sur un road trip des plus inattendus. Je n'en sais rien. Franchement, sincèrement, je ne préfère même pas y penser. Me connaissant, je trouverai toujours un truc parce que je suis un peu la meuf à qui il arrive plein de galères. Donc je suis habituée, mais quand même, voilà. Je peux pas emmener mon parfum. En plus, je l'ai eu à Noël, je l'aime trop, c'est mon vrai parfum, mon parfum d'habitude. Donc je vais en mettre la dose là. Ah. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me, just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. Coucou tout le monde, je vous retrouve chez Noémie. Noémie, qui est enfin sortie de sa prison. Oh my god, vous la revoyez enfin. Vous pourrez lui demander par message privé où elle a acheté tous ses vêtements. Donc alors ce soir nous allons en soirée passeuse. J'ai vachement une gueule de futur étudiant en médecine. Et voilà, Noémie, quel est ton but de ta soirée? Have fun. Elle aussi elle est bilingue. Donc voilà, ensuite demain nous essayons de partir à Prague. Mais après ce n'est pas du tout sûr. Donc nous allons essayer de vlogger. Noémie, je t'invite à vlogger durant cette soirée. Oui, bah oui. Pour avoir un max de contenax. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que Noémie vlog, parce que bon, là vous avez pas trop l'air d'apprécier mes vlogs en ce moment, donc peut-être que Noémie fera plus de vues que moi. Dites-moi en commentaire. En plus, tu l'avais déjà fait. Allez voir le vlog qu'on avait fait, il était trop bien. Hein, c'est un de mes vlogs préférés. Je suis de Lisbonne. Oh, t'as failli casser mon appareil. Bon, alors là, nous partons. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Très bon PLS. T'inquiète, t'es dans ton état naturel. Ouais. Après ta belle soirée, tu couperas au montage. Coucou les gars. Bon, finalement, je vais faire un vlog en deux jours parce que voilà. Enfin, hein, hier je n'étais pas trop déter à filmer tout un vlog en plein milieu de la soirée. Nous n'avons pas trop filmé d'ailleurs. Aujourd'hui, le trajet était horrible, mais nous avons eu notre avion. Je crois qu'il y en a plein, ils ont sauté, mais l'autre, non. Il a eu de la chance. Dieu merci. Et donc là, on est au Airbnb, je vais vous montrer. On va partir faire des courses, je vais vous emmener faire des courses et on va découvrir le supermarché praguais. Quoi? Donc là, bon, on a commencé à mettre le bazar. Hein. Là, ouais. C'est la cuisine, donc Christophe est anglais. Donc. Ah, c'est le projet. Je sais bien celui-là, il était presque boulant. Mais je te dis, ces gelouches, ils sont vides. Genre, les deux seuls trucs qui sont pleins, c'est à moi. Mais je savais pas que c'était à toi. Non, mais par contre, vraiment, je savais pas parce que je pensais pas que ça passait à la douane, ça. Mais si, dans la valise. Bah, normalement, ça passe pas. Bah, je sais pas, j'en avais deux. En vrai, il est encore tôt, mais ce soir, on va rien faire. Genre, on va se faire des pâtes et on va dormir parce qu'on est crevé. On peut se lever tôt demain. Voilà, parce que faut savoir un truc avec Noémie, c'est qu'on déteste se lever tard. Ouais, enfin, surtout moi. Ouais, surtout toi. Voilà. Oui, mais tu aimes bien faire des choses. Oui. J'aime bien quand tu m'emmènes faire des choses. Ouais. Et d'ailleurs, c'est trop bizarre. Genre, le Airbnb il est cool, le mec est sympa et tout. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de PQ, il n'y a pas de savon. Alors que c'était marqué que c'était compris. Genre. Ah, mais elles étaient là, mes bonnes chaussettes. Alors, les copains, on est de retour. Comment vous dire que.
Prague, bon, on me l'avait dit, hein, mais les habitants, il n'y a plus Emma, les courtois. C'est ouf, je veux dire, les gens sont pas du tout gentils, mais vraiment pas gentils. Ils sont très méchants, enfin, personne ne sourit, genre, tout le monde fait la gueule, et encore, je suis pas quelqu'un qui sourit beaucoup. Bref, ça pour dire que je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Ouais. Déjà, nous avons acheté des kakis, voilà. Oui, du plastique, c'est pas très bien, hein. Du pain, mais nous allons récupérer des plastiques pour mettre nos chaussures. Ensuite, du pain noir qu'on a acheté. Après, oh, y a, par contre, il y a plein de trucs veggie et tout. Donc, j'ai acheté du tofu mariné. Je crois que c'est super bon. Et tout ça, on en a eu pour. Alors. Donc, ensuite, on a acheté du chocolat comme ça, beige. Des poivrons, avocat, confiture, dentifrice. Tomates. Non, pas tomates. Pommes, beurre. Lait. Raisin. Et papier toilette, on en a eu pour 25 euros. Donc, en vrai, ça va. Mais je vous dis, mais ça fait 10 ans que je mange salé. Genre, pourquoi aujourd'hui j'aurais soif? Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks, the subtle things, the holes in my apologies. Ok les copains, je vais clôturer le vlog parce que je suis très fatiguée. Il est 7h30 et nous allons aller dormir. 7h30 du soir. Donc bisous la mif, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tonight.